Le gouvernement
gouvernement vise à stimuler davantage l'efficacité du secteur bancaire dans sa mobilisation et réallocation des ressources pour le financement de l'économie à travers le renforcement du secret bancaire. Ainsi, un trait de sanction est énoncé dans le dit projet de loi en cas d'infraction au secret bancaire, de même que l'inopposabilité du secret bancaire est consacrée à l'égard de certaines institutions publiques ou privées. Au regard du risque d'abus inhérent à un tel dispositif, des abus qui peuvent même être commis par erreur, il me paraît indispensable de limiter ou de conditionner l'inopposabilité du secret bancaire. Aussi, monsieur le ministre, je suis curieux de savoir quelles sont les mesures de limitation du pouvoir de l'État ou des administrations sur les citoyens, personnes morales et ou physiques, quant au risque d'abus de droit inhérent à l'inopposabilité du secret bancaire. Merci, monsieur le ministre, pour vos éclairages. Merci, monsieur le président, de m'avoir donné la parole. Your Excellency, the Minister of Finance, I think this bill on financial secrecy is not an innovation in international transactions. It is an old thing that has been existing. Although our first move was taken in 2003 to regulate the sector as far as secrecy is concerned in financing. Countries like Switzerland and the Bahamas, we all know that their stringent secrecy rules in financing has made them a safe haven for investors. This is just to say the coming of this bill is timely. The only difference I see between the bill and what existed in 2003 is the fact that sanctions are mentioned. Our country, Cameroon, has a banking sector that has suddenly seen a sudden rise of financial microfinance institutions. From the statistics available, we have well over 415 of them with 18 banks and 8 financial institutions. One is tempted to have the feeling that the upsurge of these microfinance institutions and other banking openings are an opening for criminal activities to flourish in our nation. We are all aware of funding for terrorist actions that go through these financial institutions. In fact, the main goal of banking secrecy is to improve and protect the savings of customers and improve on their relationship with the banks. Your Excellency, this bill, as good as it is, I have little worries. I want to know where the line can be drawn when financial institutions like ANIF has to go into bank accounts to get details to carry out criminal investigations. We all know money laundering is order of the day, not only in Cameroon but in the world. If these laws are applied strictly, it makes investigating institutions, it makes their work difficult and complex. Your Excellency, I want to know where the line is drawn between protecting the interests of those selling money. You have all sorts of racketeers,
you have drug barons who take advantage of these secrecies to recycle ill-gotten health. You have embezzlers of state funds who take advantage of microfinance institutions to recycle ill-gotten wealth. Your Excellency, I want to know if this law that shall soon be adopted has taken into consideration all of these openings that are available for criminal organizations, whether the state institutions that are there to fight crimes, financial crimes, would be hindered by this law on secrecy of financing. Your Excellency, whatever explanations you will give, we are ready to hear. Thank you. Monsieur le ministre, nous avons voyagé, on a fait un voyage d'échange avec le gouvernement de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au Burkina Faso. Pendant notre séjour, nous avons constaté que les banques investissent dans le gouvernement. Là où on partait, nous dit quel magasin c'était une banque qui nous a construit. On part ailleurs, on dit la caisse, c'était une banque qui nous a construit. Je ne sais pas au Cameroun, est-ce que rendre aussi ce service, ou bien en dehors de ce qui nous donne les miettes en crédit, je voudrais savoir pourquoi, ou bien nous ignorons les services rendus par nos banques. Excellence, on voudrait des éclaircissements. Et de deux, où allez-vous avec les humains qui détournent l'argent des populations? Merci, Excellence. Je vous remercie, Monsieur le Président du Sénat, de me donner la parole. Monsieur le ministre des Finances, en me réjouissant que le gouvernement ait déposé cet important projet de loi sur le bureau des deux chambres du Parlement, je voudrais solliciter votre avis sur la situation de notre Chambre des comptes de la Cour suprême, qui, en vertu d'un règlement CEMAC, devrait déjà être transformé en Cour des comptes. Bien entendu, je n'ignore pas les contraintes et les procédures constitutionnelles préalables à cette transformation, qui, vous direz probablement, ne relève pas de votre compétence, mais vous avez probablement un avis sur ce processus. Je vais au-delà de cette simple demande pour articuler ma préoccupation sur cette tendance qui est discutée par les spécialistes de la Constitution par comparaison à d'autres systèmes politiques qui viseraient non simplement à détacher la Chambre des comptes de la Cour suprême pour en faire une institution constitutionnelle autonome, mais cette réflexion plus globale qui viserait à libérer les trois branches du pouvoir judiciaire pour en faire des institutions autonomes, à savoir mettre en place une Cour de cassation, un Conseil d'État et une Cour des comptes. Encore une fois, je conviens que cela ne relève pas de votre compétence directe, mais puisque la question de la transformation de la Chambre des comptes en Cour des comptes est sur la table depuis plusieurs années, vous ne pouvez pas rester sans avis sur cette question. Je ne reviens pas sur nos conversations antérieures sur les questions de la dette, la question du rapport entre le capital
et le budget de fonctionnement ou sur les questions de la taille de la masse salariale de la fonction publique. Je connais vos points de vue sur ces questions, vous connaissez les miennes sur les mêmes questions. Plus simplement sur la question du rapport entre le capital et le fonctionnement, continuez à vous encourager à ce que dans les prochains budgets, le rapport soit toujours plus favorable au capital. Parce que le capital crée la richesse et c'est la richesse qui permet qu'elle soit distribuée. Nous savons aussi que les questions budgétaires sont entachées par la corruption qui retire du système public des ressources importantes. Les rapports annuels de la CONAC indiquent largement les pertes que l'État subit à cause de la corruption. C'est peut-être le cas de rappeler que un combat est toujours en cours pour que de là du décret qui crée la CONAC, que le Parlement vote une vraie loi anticorruption. Il n'y a pas une fausse loi, mais que le Parlement enfin vote une loi qui s'engage à lutter contre la corruption. Parce que tant que cette question n'est pas portée au niveau de la loi, le combat restera encore secondaire. Ma dernière observation, M. le ministre, porte sur une question peut-être qui n'est pas publique, mais qui concerne un établissement financier. Le processus de transformation en banque de la régionale SA est en cours. C'est le seul établissement financier qui est aujourd'hui enregistré à la bourse des valeurs monétaires et des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Un processus de transformation en banque est en cours. Vous me répondrez probablement que cette question relève de la COBAC, mais vous n'êtes pas sans lien avec la COBAC. Peut-être que vous pourriez nous éclairer sur ce processus qui est engagé depuis plus d'un an. Président, nous allons passer la parole. Un certain nombre de sénateurs ont posé des questions au gouvernement et je vais m'atteler à donner des réponses. D'abord, le sénateur Mama. J'ai cru noter qu'il souhaiterait qu'il y ait quelques limitations du pouvoir de l'État quant au risque d'abus s'agissant de l'inopposabilité du secret bancaire. Je crois que c'est une question extrêmement importante parce que ce que nous voulons vise une chose. Consacrer le secret bancaire. Mais le secret bancaire ne devrait pas être le refuge dans lequel certains vont aller se cacher pour poser des actes contraires à la loi. C'est pour ça que ce projet de loi a parlé de l'inopposabilité, c'est-à-dire des institutions à qui on ne peut pas dire il y a le secret bancaire, donc on ne vous donne pas l'information. C'est de ça qu'il s'agit. Sénateur, lorsque vous avez une entreprise qui refuse de verser des cotisations à la CNPS pour la protection de ses travailleurs et qui vous dit je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent, mais dans le même temps, le compte bancaire de son dirigeant lui reçoit des versements, et peut-être des versements de l'entreprise. Pourquoi voulez-vous qu'on oppose à la CNPS la règle du secret bancaire? La CNPS va dire, cette entreprise-là qui n'a pas versé les cotisations, j'aimerais savoir comment se comportent les comptes de son dirigeant. Et à ce moment, le secret bancaire ne lui est pas opposable. Mais je comprends votre question de limitation.
Parce que parmi ceux à qui on ne peut pas proposer de secret bancaire, il y a les magistrats de l'ordre judiciaire. Et vous savez qu'un magistrat, il ne va pas comme ça, d'une banque à aller demander, il y a une réquisition du procureur. Quelle réquisition? Et je crois que la réquisition va quand même être limitée, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander de tout ouvrir. On sait ce qu'on veut savoir. On sait ce qu'on veut savoir. Quelles sont les disponibilités? D'où vient l'argent? À quel moment l'argent est gagné? Peut-être que ça va nous permettre, je dis nous, je veux dire ceux qui vont regarder dans les comptes de l'intéressé, ça va peut-être permettre de voir si la faillite de l'entreprise est arrivée en même temps, presque au même moment que le compte du propriétaire de l'entreprise. Son compte a été crédité. Je dis n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'il s'agit de protéger le secret bancaire, mais sans faire en sorte que ce secret bancaire-là soit le refuge qui va permettre aux délinquants d'échapper à la loi. Et c'est pour ça que vous verrez ceux à qui le secret bancaire n'est pas opposable, c'est ceux qui font ce genre de choses. J'ai parlé des magistrats, j'ai parlé de la CNPS, j'ai parlé de la Direction générale des impôts. Je peux dire, je crois, au terme de la NIF, je vais revenir à la question du sénateur Fonchaf, qui a parlé justement de la NIF, parce que la NIF a besoin de savoir. A besoin de savoir. Donc, nous ne pensons pas qu'il s'agit là d'une ouverture pour que le secret bancaire soit divulgué n'importe comment, mais il s'agit de protéger également la loi, et notamment les épargnants. Justement, le sénateur Fonchafa a parlé de la NIF et il s'est demandé si le travail des institutions comme la NIF ne sera pas gêné. Sénateur, justement, non. C'est pour ça qu'on parle de l'inopposabilité, c'est-à-dire des institutions à qui vous ne pourrez jamais dire il y a le secret bancaire, donc on ne vous donne pas les informations. Et il faut d'ailleurs savoir qu'à l'heure actuelle, vous le savez sûrement, les banques font ce qu'on appelle des déclarations de soupçons. C'est-à-dire que dans tous les cas, une banque a le droit, j'ai même presque envie de dire, le devoir d'informer si elle se rend compte qu'il y a des mouvements de fonds qui lui paraissent suspects. Elle doit faire une déclaration de soupçons. Et vous avez dit, sénateur, que le projet est dépassé. Non, le projet n'est pas dépassé. Le projet s'adapte seulement parce que lorsqu'on fait la première Rochefort en 2003, nous avons les banques. Mais entre-temps, autre chose a été créée. C'est les établissements de microfinance, etc., etc. Il y a un certain nombre d'opérations qui n'existaient pas à ce moment-là et qui ont maintenant besoin d'être prises en compte. De même, il y a d'autres structures comme la NIF qui n'existaient pas en 2003 et qui ont été créées. Et même ces institutions ont besoin également de faire un certain travail. La société de recouvrement des créances, lorsqu'elle doit voir comment recouvrer l'argent, que moi, un individu ou une société, il ne faut pas qu'on lui dise ah, non, on ne peut pas vous donner l'information. Elle a besoin de savoir si ce débiteur a les ressources pour faire face à ses obligations. C'est pour ça qu'on a fait une actualisation de la loi de 2003. Sénateur Fonchou, épouse Mercado. Bien, j'ai noté que vous avez, lorsque vous étiez à l'Ouest, on vous a dit un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées grâce aux banques. Et vous avez demandé plus du Cameroun. Sénateur, même au Cameroun, les banques font beaucoup de choses. Peut-être vous n'êtes pas au courant des opérations que les banques font. Mais les banques investissent beaucoup et aident beaucoup d'opérateurs économiques. Vous savez, nous avons grâce à la loi, ce qu'on appelle la loi de 2013, qui encourage les incitations à l'investissement, il y a beaucoup d'opérateurs qui demandent de bénéficier de cette loi. Et nous voyons là aussi, il y a beaucoup d'investissements, déjà pour des opérations d'investissement de 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards. Sénateur, vous ne pouvez pas faire ça sur fond. C'est grâce aux banques. Les banques interviennent. Je ne sais pas quel est le cas de l'Ouest, mais je peux vous dire qu'en Afrique centrale, au Cameroun, les banques investissent.
Et vous avez également demandé où est-ce que nous en sommes avec les établissements de microfinance qui déposent l'argent des dépôts. Chaque fois que ce cas est connu, nous envoyons une enquête. Nous-mêmes, nous enquêtons la COBAC, enquête également. Et il y a des cas où, effectivement, les établissements de microfinance, nous pouvons les fermer. Ou alors, y compris avec les banques, nous pouvons faire en sorte que les propriétaires rendent les comptes. Enfin, sénateur Meyer a posé une question. Je voudrais déjà remercier le sénateur parce qu'il a reconnu lui-même que beaucoup de ces questions mériteraient d'être posées à quelqu'un d'autre, au ministre des Finances. Par exemple, l'histoire du problème de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui devrait être transformée en Cour des comptes. Je crois que le garde des Sceaux pourrait vous poser, pourrait mieux répondre à la question. Mais, sénateur, je ne vais pas me dérouler. Et je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Ce qu'on cherche, c'est un, l'indépendance de la juridiction et donc la protection des contribuables. Ma conviction, ça ne regarde que nous, c'est pas la question du gouvernement, c'est ma conviction. Sénateur, c'est que vous pouvez mettre les noms que vous voulez. Ça s'appelle femme, ça s'appelle cour. La réalité est comment se comporte le magistrat quand il est face à un dossier. Je vais prendre deux exemples. On en a parlé ici. Vous savez que la Chambre des comptes de la Cour suprême a fait audit sur l'utilisation des fonds. Sénateur, pourquoi c'est à la Chambre des comptes que nous avons remis ce travail et non au contrôle supérieur de l'État? C'est parce que nous savions justement qu'en tant que magistrats, ils allaient faire leur travail en toute conscience et qu'ils ne pouvaient pas leur être reprochés ou alors être reprochés au gouvernement, que c'est le gouvernement qui a exécuté les marchés et c'est le gouvernement qui a fait lui-même l'audit à travers le contrôle supérieur de l'État. C'est pour ça qu'on a dit Chambre des comptes. Et lorsqu'on a vu le rapport qui est sorti, on a bien vu que la Chambre des comptes n'a pas pris des gammes pour dire que là, le gouvernement a fait, là, voilà ce qu'il faut faire, etc., etc., etc. Ça s'appelle Chambre des comptes. Est-ce que si ça s'appelait Cour des comptes, ils auraient fait plus que ça? Je n'en sais pas. Nous, on a monté dans leur travail une indépendance qui a d'ailleurs fait en sorte que lorsque nous avons envoyé ce rapport à nos partenaires, les partenaires ont estimé qu'il n'y avait rien à redire sur le rapport. Je ne me souviens pas qu'un partenaire nous ait dit que oui, ça c'est la Chambre. On ne pouvait pas faire que ce soit la Cour. Le travail qui a été fait, il a été fait comme pas. Ça c'est un exemple. Là, notre exemple, entre autres fois, là aussi, je parle en mon nom parce que ce n'est pas de la compétence du ministère. Vous avez bien suivi le débat qui a eu dans un pays comme les États-Unis, parce qu'il a fallu nommer le magistrat à la Cour suprême. Nous avons tout suivi, il y a eu un débat, et on a ce qu'on a entendu, ce qui est quoi? C'est que tel est proche de tel, tel est proche de tel, etc. Je me suis dit, ah tiens, même les États-Unis. Ça veut donc dire que, sénateur, que le problème n'est pas tellement dans l'appellation. Dans l'appellation, est-ce que c'est une cour, est-ce que c'est une chambre? Mais c'est l'indépendance des magistrats qui font le travail. Que ce soit une charge ou que ce soit une cour. Mais comme je vous dis, peut-être le garde des Sceaux pourrait vous en dire un peu plus lorsqu'on en est sur ce processus de transformation. Votre deuxième intervention, sénateur, vise à ce que le budget d'investissement soit de plus en plus important. Nous partageons entièrement votre position, surtout que vous avez rappelé que l'investissement c'est bien parce que c'est l'investissement d'aujourd'hui qui fait la richesse de demain. C'est pour ça que même dans la SAD 30, l'objectif est qu'on aille vers un budget de fonctionnement, un budget d'investissement qui dépasse à peu près les 35% du budget. Je voudrais dire que même dans le DSC, on avait déjà cet objectif. Et il y avait eu une année où le budget d'investissement a coulé autour de 36-37%. Ça, il faut se le rappeler. Il se fait seulement que si ces derniers temps,
vous avez constaté un retrait, un recul, c'est parce qu'on a estimé au niveau du gouvernement qu'on a beaucoup investi, notamment avec la CAF. On a énormément investi et il ne fallait pas que ce surinvestissement sur le reste des postes de l'État, notamment dans le renforcement de la dette intérieure. Mais l'objectif, c'est bien fixé dans la question, c'est que le budget d'investissement doit partir vers l'avance. Il ne s'agit pas de le faire en une année, il s'agit de le faire sur une période relativement longue. Mais, sénateur, reconnaissons que la conjoncture actuelle est ne permet pas de faire tout ce que, quand vous avez une guerre à financer, quand vous avez le soutien, on a parlé de l'engrais, du carburant, du blé, etc. Ça, vous n'avez pas suffisamment de ressources pour aller dans le sens des orientations qui ont été données. Mais nous partageons entièrement votre point de vue sur l'importance qu'il y a à permettre que le budget d'investissement ait une trajectoire au siècle. Bien, vous avez également parlé du rapport de la CONAC sur les pertes, le problème de corruption. Vous savez, la corruption, c'est le cheval de bataille du chef de l'État. Un certain nombre d'institutions, comme la CONAC, comme la NIF, comme le tribunal, comme les DCS, etc., sont là justement pour lutter contre la corruption. Donc, on ne peut pas parler de la CONAC, mais je tiens quand même à vous dire que moi, le terme qui est souvent utilisé, à savoir perte, à titre personnel, c'est un terme que je ne partage pas tout à fait. Parce que nous, ce que nous avons appris de voir, c'est que la seule personne qui est capable de dire qu'il y a une perte, qu'il y a une infraction, c'est le juge. C'est le juge. Donc, tant qu'un juge ne sait pas prononcer, vous risquez de mélanger tout, d'avoir des gros chiffres et de penser que ces chiffres-là, c'est des détournements. Il faut faire un peu attention. Donc, je crois que c'est le juge qui peut dire qu'il y a eu des détournements ou il n'y a pas eu des détournements. Mais la CONAC fait un gros travail et les instructions qui sont données par notre hiérarchie, c'est que nous aidions la CONAC à faire son travail, c'est-à-dire en lui donnant des informations dont elle a besoin, en répondant aux questions qui sont ici. Enfin, votre préoccupation sur la régionale, sa transformation en banque, c'est un processus qui est en cours. La demande est vraiment interrogatoire. Lorsque la régionale est passée, il y a un peu la hausse, j'étais seulement qui présidait cette réunion en banque, vous savez, et donc nous suivons cela et nous encourageons beaucoup les responsables de la régionale. Parce que faut-il le rappeler, il y a longtemps, c'était la CCA qui a aussi connu le même cheminement, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps d'établissement des documents et puis transformation en banque. Nous pensons que ce que font ces actionnaires camerounais, ces investisseurs camerounais dans le domaine de la finance, c'est une très haute chose qui mérite d'être encore. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président, pour vos réponses. Le ministre, ce qui est clair, c'est un terme. Alors, il y a même article par article.